bien avec moi, s'il vous plaît, monsieur Kenton. Mais mon passeport... Il vous sera rendu plus tard. Par ici, monsieur, une voiture vous attend. Monsieur Kenton, vous êtes venu dans ce pays pour faire une enquête sur la mort d'un nommé Standfast. C'est exact, oui. Vous travaillez pour le compte d'un homme de loi. Plus exactement pour le cabinet Seymour et Highgate. C'est cela même. Savez-vous que notre ambassade à Londres a pris quelques renseignements sur votre compte? Ah oui? Mais au fait, vous ne m'avez pas dit votre nom. Schulman, capitaine Schulman de la police fédérale, service de la sécurité. Soyez gentil, rendez-moi mon passeport, capitaine Schulman. Oui, un instant. Il faut que vous sachiez que ma méthode est la franchise. Carte sur table, toujours. À condition que ça ne dérange pas vos plans, n'est-ce pas, capitaine? Au contraire, elle a toujours servi mes plans, monsieur Kenton. Avez-vous entendu dire que nous avions soupçonné ce monsieur Standfast d'être un agent secret? Notre client est un espion? Et pas des moindres. Un chef d'antenne. Il a noyauté le personnel d'une ambassade étrangère. Il dirigeait tout un réseau d'espionnage, ici, à Genève. Oh, mais tout ça est absurde. Cet homme est mort d'une curieuse manière. Un accident. Sa voiture a quitté la route et a pris feu. D'après l'enquête, personne ne l'accompagnait. Cet accident s'est produit seulement hier. Et quelques heures plus tard, vous apparaissez. Vous demandez à voir le corps, vous exigez tous les détails sur cet accident. Quoi? Est-ce que par hasard, vous croiriez que je suis membre des services secrets britanniques? Oui, cette idée m'est venue à l'esprit. Je suis désolé de vous décevoir, capitaine. La maison pour laquelle je travaille est simplement chargée de régler la succession de M. Standfast. Il était directeur commercial en zone européenne pour une importante affaire de construction mécanique. C'est une excellente couverture. Pour régler la succession, nous allons avoir besoin de la relation exacte des circonstances de ce malheureux accident. J'avais cru que vous seriez amplement satisfait de ce rapport officiel des services de police. En tant que représentant des avoués de M. Standfast, je dois être absolument certain qu'il est mort pour pouvoir donner lecture des dernières volontés aux ayants droit du Decujus. Qu'est-ce qui vous fait supposer qu'il n'est pas mort? Je ne suppose rien. Je veux simplement avoir la certitude que le cadavre carbonisé qu'on a trouvé dans la voiture est bien le sien. Oui, je comprends. Ben, nous avons des photographies. Pourtant, j'insiste pour voir le cadavre. Si vous y tenez... Je vais vous conduire à la morgue. Il n'est pas très reconnaissable. Je vous remercie. Cette bague a été retrouvée à son doigt. Ce sont bien ses initiales. Mais j'aimerais avoir des preuves concrètes sur son signalement. Par exemple, les yeux. Il avait les yeux marrons, plutôt foncés. Forme des oreilles. Arrondi, assez large. Le nez. Long et fort. Cicatrice. Aucune cicatrice, pas de signe particulier. Et bien sûr, vous n'avez aucune idée de la teinte de ses cheveux. Vous avez l'état de sa denture? Alors? Il n'y a pas de doute, c'est bien Standfast. Vous semblez très affirmatif. Je le suis. Si vous êtes satisfait, capitaine, je vais repartir, il me reste des choses à régler. Mais je ne suis pas satisfait, Kenton. Pour quelle raison? Vous pouvez très bien nous dire que c'est le corps de Standfast, tout en sachant que c'est faux. Pourquoi ferais-je ça? Sachant que nous le soupçonnons d'être un agent britannique, il est possible que cela vous arrange de nous laisser supposer qu'il est mort. Bien sûr, si l'on suppose que je suis moi-même un agent britannique. Je vais vous mettre les points sur les i, Kenton. Chez nous, les agents secrets ne sont pas les bienvenus. Oh oui, je le sais bien. Maintenant, voulez-vous me donner la clé de son appartement pour que j'examine ses objets personnels, capitaine? Puis-je savoir exactement ce que vous cherchez? Des objets de valeur ou encore des factures impayées ou bien encore un codicille, pourquoi pas? Standfast n'était sûrement pas un amateur, Kenton. Et je doute fort qu'il ait laissé quoi que ce soit de très intéressant derrière lui. Et je doute fort de mon côté, capitaine, que nous parlions de la même chose. La clé, je vous prie. Le concierge vous la remettra quand mes hommes auront quitté son appartement. Est-ce que ce sera long? Nous aurons fini, disons, vers 8 heures ce soir. Qu'est-ce qu'ils y font? Ils perquisitionnent.
Désolé de vous avoir fait attendre. Je vous en prie. Il faut bien se nourrir. Et vous avez failli me faire manquer mon repas. Oh, je ne crois pas vraiment que ce soit ma faute, capitaine. Est-ce que vous en voulez une tranche? C'est délicieux. Goûtez. C'est à l'ail et aux truffes. Délicieux. C'est allemand? Suisse. Maintenant, voulez-vous me dire ce qui vous a poussé à attaquer ces deux hommes tout à l'heure? Attaquer? Mais je n'ai fait que de me défendre. Ah, ça n'est pas ce qu'ils prétendent. Ils ont dit avoir trouvé ouverte la porte de l'appartement, ils ont sonné, ils sont entrés, vous vous êtes jeté sur eux. Et vous les avez crus? Je crois rarement ce qu'on me dit, en principe. Maintenant, vous allez me dire ce qui s'est passé. Eh bien, j'ai pris la clé, je suis monté chez Standfast, j'ai ramassé les papiers qui m'intéressaient, je suis ressorti en oubliant mon manteau. En revenant, je les ai trouvés, un dans le vestibule, l'autre dans le salon. Encore une tranche? Avec un morceau de pain. Je vous remercie beaucoup, mais pas maintenant. Comme vous voudrez. Veuillez avoir l'obligeance de vous lever. Vous permettez? Je vous en prie. À présent, M. Kenton, nous allons voir qui dit la vérité. Pourquoi avez-vous fermé les doubles rideaux? Parce que je n'aime pas me sentir épié ni qu'on se mêle de mes affaires, tout comme je déteste me mêler de celles des autres. Vous donnez l'impression de chercher quelque chose. Oui, j'ai remarqué la présence de quelques objets de grande valeur, en particulier des tableaux, dont un très joli Modigliani qui allait assez mal avec l'appartement et qui probablement appartient personnellement à mon client. Tiens, voilà que vous vous approchez du miroir. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi, M. Kenton? Ah, je fais ce qu'on appelle du narcissisme. Ah, j'y suis, l'appareil se trouve derrière le miroir. Mais c'est pas bête du tout, ça. Tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez comprendre. Nous allons revenir en arrière. Là, nous sommes à 8h15. Nous allons repartir en avant. Et nous voilà à 8h18. Oui, 8h18. 3 minutes plus tard. Ah, j'y suis, ça doit être l'interrupteur qui déclenche l'appareil. C'est exact. En effet, Kenton. Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Mais qui sont ces hommes, à propos? Celui-ci, c'est un certain Stoyan. Et comment s'appelle celui qui travaille dans le vestibule? Celui-là s'appelle Corbeau. Ils étaient entrés en voyant la porte ouverte. Ah, vous avez vu? Il m'a entendu revenir. Ah, et c'est là que les choses vont se gâter. Oh, c'est dommage. Pourquoi cette coupure? Et voilà le capitaine Schulman qui arrive à la rescousse. Et il y a encore mon manteau sur la chaise. Quand je vous dis que je revenais le chercher. En tout cas, M. Kenton, vous avouerez que vous savez vous défendre avec autant d'efficacité qu'un professionnel. Je devais être poussé par l'instinct de la conservation, vous ne pensez pas? Mais qu'est-ce qu'il venait faire? Merci. Qu'est-ce qu'il venait chercher? Ah, c'est ce qu'ils ont refusé de me dire. Vous allez faire quelque chose. N'oubliez pas que j'ai failli être la victime de ces hommes qui m'ont attaqué sauvagement. Une immunité diplomatique, qu'en faites-vous? Ils appartiennent à une ambassade étrangère. Laquelle? Bénéficieriez-vous par hasard de l'immunité diplomatique, vous aussi? Hélas, non. De toute façon, vous n'avez rien contre moi, reconnaissez-le. Je me vois néanmoins obligé de vous prier de ne pas quitter notre territoire. Le voudrais-je que je ne le pourrais pas? Vous avez mon passeport. Thank you.
Monsieur Goudard. Non, je ne suis pas Monsieur Goudard. Alors, j'aurais désiré lui parler. Il n'y a pas de Monsieur Goudard à cette adresse. Alors, vous êtes bien le 288 212. Je suppose qu'on vous a donné un faux numéro. Bonsoir, Levantine. Monsieur Goudard. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Je vous en prie. Il faut toujours prendre ses précautions. Vous craignez que je vous ai tendu un piège et vous ne voulez surtout pas tomber dedans. Pourquoi auriez-vous fait ça? Mais Stonefast est mort. Et vous ne semblez pas du tout croire à l'accident. Au contraire, vous croyez qu'on l'a trahi. Mais qui aurait pu faire ça? Un membre du réseau, sans doute. N'est-ce pas? Oui, mais lequel? Alors, vous décidez d'entrer en contact avec tous ces agents dans l'intention de découvrir lequel est passé chez l'adversaire. Est-ce que c'est moi, Monsieur Goudard? Est-ce que c'est vous? Bien sûr, je vais vous répondre non, mais vous n'allez pas me croire. Vous n'avez pas confiance. Parce que vous savez que lorsque vous aurez découvert le traître, il vous trahira à votre tour. C'est mon affaire. Ça vous fera plaisir d'apprendre que Stonefast est encore en vie. Cela m'intéresse, mais ça ne me fait aucun plaisir. Qui vous a dit qu'il était vivant? Le corps découvert dans les restes de la voiture n'était pas le sien. Mais d'après les journaux, il paraît que le cadavre était carbonisé. Oui, mais à la denture, on ne peut pas s'y tromper. Ah! Et pourquoi cette nouvelle ne vous fait-elle pas plaisir? Parce que s'il est encore en vie, il doit certainement être aux mains du service de contre-espionnage de mon pays. Et dans ce cas, c'est une simple question de temps avant qu'il ne parle. Ce qui rendra ma position à l'ambassade plus que précaire. Il faudra le retrouver avant qu'il parle. La question est de savoir où il est. Serait-il à l'ambassade? Non, ça m'étonnerait beaucoup. Ma chambre est au rez-de-chaussée et je l'aurais forcément remarqué. Mais bien sûr, l'immeuble est très vaste. Vous devez savoir un tas de choses comme attaché commercial. Ces messieurs des services de sécurité ne se confient à personne. Bonne chance, Levantine. Je vous remercie. C'est tout pour l'instant. Monsieur Goudard, vous ne croyez pas, j'espère, que c'est moi qui ai trahi? Pourquoi ne le croirais-je pas? Si c'était vrai, voyons. Croyez bien que j'aurais pris la précaution de vous tendre un piège. Il me dit que vous ne l'avez pas fait. Ah! C'est le moyen que vous comptez employer pour trouver celui qui trahit? La peur d'être pris le pousserait à une autre trahison. Pas si bête. Bonsoir. Un de ces jours. Mmh.
Allô, je vous écoute. Vous êtes Monsieur Gouda? Non, ce n'est pas moi. Je voudrais parler à Monsieur Gouda, s'il vous plaît. Il n'y a pas de Monsieur Gouda à cette adresse. Vous êtes bien le 288. 212. Je suppose qu'on a dû vous donner un faux numéro. Je vais arriver un peu en retard. À tout à l'heure. Bonsoir, Aurèle. Alors, on se fait attendre? Mais je suis venu aussitôt que je l'ai pu. Pas assez vite, vous connaissez nos arrangements. Mais je n'ai pas pu partir immédiatement. Quand vous recevez un appel et que vous ne pouvez pas venir immédiatement, la consigne est de dire non, ce n'est pas le numéro que vous demandez. Alors je rappelle plus tard pour fixer un rendez-vous à un autre endroit. Je n'ai jamais que quelques minutes de retard. Il ne vous faut pas 10 minutes pour venir ici. Vous avez 10 minutes de retard, c'est-à-dire assez pour me tendre un piège. Que faisiez-vous? J'ai donné un coup de téléphone. Ah oui, à qui? Je suis de service de nuit. J'ai téléphoné à l'ambassade. Ils n'étaient pas contents. Je leur ai dit que j'étais malade et c'est vrai. Je suis malade. Je suis malade de peur. Est-ce que vous attendez quelqu'un? Vous croyez que c'est moi qui ai trahi Standfast? C'est pas vous? Vous m'avez fait venir pour me tuer. Dis donc, j'espère qu'on aura plus de chance qu'hier. Ah oui, mais il faudra peut-être aller plus loin. Ben, allons-y. Il ne vous est pas venu à l'idée que l'accident aurait pu être simulé, que Standfast pourrait bien être encore vivant? J'y ai pensé. Moi, j'en suis persuadé. Mes compatriotes l'ont pris, ils doivent être en train de le cuisiner. Est-ce qu'il est à l'ambassade? Non. J'ai été de service de nuit pendant toute la semaine, je serai au courant. Où peuvent-ils le cacher? Je n'en sais rien du tout, je vous le jure. Allô? Est-ce que M. Goudard est ici? Il n'y a pas de M. Goudard ici. Ah, vous êtes bien le 288212. Je suppose qu'on vous a donné un faux numéro. Bonsoir, Monsieur Goudard. Désolé de vous avoir fait attendre. Il y a de quoi. C'est assez dangereux d'attendre dans certaines occasions. C'est mauvais pour les nerfs. Mais c'est parfois utile. Avez-vous entendu parler de Standfast? Oui, ça devait finir par arriver. Que voulez-vous dire? Je savais qu'il voulait le tuer. Il était devenu un danger pour... Avez-vous appris quelque chose à l'ambassade? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Quand avez-vous aperçu Standfast pour la dernière fois? Il m'a quitté 10 minutes avant de se faire tuer. Il a reçu un coup de téléphone. Il est sorti aussitôt. Il m'a dit, je reviens tout de suite. Ce ne sera pas long. Je ne l'ai jamais revu. Vous étiez très amie? J'étais amoureuse de lui. Où étiez-vous? À la Boule d'Or, sur la route de Lausanne. Un lieu de rencontre habituel? Non, nous nous rencontrions un peu partout. Dans les hôtels, des cafés, nous changions souvent de place. Je dois me montrer très prudent. Je vous comprends, dans ce métier, on n'est jamais trop prudent. Quelqu'un l'a donc appelé à cet hôtel, quelqu'un qui était donc certain de le trouver là. Et vous appelez ça de la sécurité, oui? Oh, votre sécurité, le mot me rend malade. Vous ne pensez qu'à la sécurité? Non, pas aujourd'hui, c'est dangereux. Pas demain non plus, on peut vous prendre en filature. Ni la semaine prochaine, ni dans un mois. Alors on cueille une heure ici, une heure là, et puis on se fait tuer.
Tué, hein? Quelle vie! Voulez-vous lever les bras en l'air, monsieur Goudart, ou bien je serai forcé de tirer sur vous? Ah, c'était vous. Bonjour, Lenka. J'espère que vos amis Corbeau et Stoyan n'ont pas été trop déçus. Vous avez voulu en faire trop. Vous avez l'air surpris, on dirait. C'est le traître trahi par lui-même. C'est vous qui leur avez donné Standfast, avouez-le. Je l'ai dit et je le répète. On l'a demandé au téléphone à l'hôtel de la Boule d'Or. Personne n'a pu le demander pour la bonne raison que personne ne savait qui il était. Vous l'avez trahi. Pourquoi? Vous jouez un double jeu. Ça s'est passé la veille du jour où je devais retrouver Alan. J'avais une quantité de renseignements pour lui sur microfilm. Le soir, nos services de sécurité ont pénétré ici. Brusquement et sous la surprise, je n'ai pas eu le temps de réagir. Ils vous ont donné à choisir, lui ou vous? Ils m'ont menacé de mort. J'ai eu peur, ils m'ont obligé à parler. Ils ont obtenu de moi tout ce qu'ils ont voulu. Je l'ai trahi, oui, c'est vrai, parce que je voulais vivre. Et je l'aimais, oui, je l'aimais, je le jure. Il comptait beaucoup pour vous. Plus que vous pourriez le comprendre. Nous nous adorions. Est-ce que vous savez où il le cache? Mais il est mort. Vous savez bien que non. Où est-il? Oh, je n'en sais rien, je vous le jure. Comme vous voudrez. Je le retrouverai. Bonne nuit. Monsieur Goudart, je vous en prie. Si vous le trouvez, qu'il soit encore en vie, prévenez-moi. Entendu. Je vous le ferai savoir. Je vous en prie. C'est promis. Lenka, je voudrais parler à Stoyan. Il n'est pas là? Voulez-vous lui dire que M. Goudart sort de chez moi? Thank you.
confidence. Goodhart, mais que voulez-vous? Ne craignez rien, Aurel, et écoutez-moi. Est-ce que le numéro de téléphone 247314 veut dire quelque chose pour vous? Non. Il n'y a aucune raison. À l'ambassade, je ne suis que chauffeur. Le 1 et le 4 à la fin, cela signifie qu'il s'agit du secteur de Corcon. Est-ce qu'un de vos compatriotes y habite? Je n'en sais rien. En tout cas, personne de l'ambassade. Vous en êtes sûr? Attendez un moment. Je me souviens d'une chose. Il y a dans le quartier une maison qui sert quelquefois à notre attaché culturel. On y donne de temps en temps des soirées folkloriques. On y fait aussi des projections de films. Et vous connaissez l'adresse? Oui, j'ai conduit plusieurs fois des officiels. Elle est tout à fait de l'autre côté de Corcon. Il faudra le faire parler. Branchez le téléphone. Levez-vous, monsieur Stanfast. Nous allons avoir une nouvelle conversation. Voilà. J'ai quelques questions à vous poser. J'espère que cette fois, vous allez nous faire des réponses plus raisonnables. Je n'irai rien.
Je ne dirai rien. Allô? Ici Goudard, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai retrouvé Standfast. C'est vrai? Il est sain et sauf? Il vit, il est dans une maison à Corconne. Prisonnier, la police l'a perquisitionné. Oh, c'est merveilleux, j'étais tellement inquiète sur son sort. Oui, je sais, j'ai quitté la police il y a 2 minutes. Ils ont demandé l'aide. Les pompiers. Mais pourquoi les pompiers? Pour enfoncer la porte de la chambre forte. La chambre forte communique en réalité avec la cave. Vous voudrez bien m'excuser, mais il faut que je parte. Je vous ai téléphoné parce que je vous savais si inquiète. Merci. Je vous remercie, monsieur Goudard. Va faire une perquisition. C'est bon, disparaissez. Appliquez le plan d'alerte, emmenez le prisonnier. La police sera là dans un instant. Pressons, bon sang. Dépêchez-vous, faites le nécessaire. La police sera là dans 2 minutes. Camiseo! Tant pis, nous partons sans lui.